Bonjour YouTube, bienvenue pour la question numéro 6 du RPG A Day 2017. Et cette question est, vous avez une semaine complète consacrée au jeu de rôle, 7 jours pour jouer, décrivez-nous ce que vous en faites. Alors ça, c'est une super idée. Franchement, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. 25 ans, 30 ans. Et je pense que ça n'arrivera pas avant encore de nombreuses années. Mais l'idée est alléchante et donc mérite une réponse un peu recherchée. Et j'ai tout de suite dans ma petite tête, qu'est-ce qui pourrait rendre unique une semaine comme ça? Parce que là, ça mérite d'être unique. Et en réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas allier deux hobbies que j'aime bien, dont l'un que je n'ai plus fait depuis pas mal d'années, c'est-à-dire la Murder Party et le jeu de rôle. Donc la Murder Party, c'est le genre de soirée où vous arrivez déguisé selon l'époque, le thème de la soirée, du jeu, et où vous avez une enquête, quelque chose va se produire, il y aura une enquête policière ou étrange ou autre, et au bout d'un certain délai, une journée, quelques heures, on se réunit tous et on discute de ces hypothèses, qui est coupable, quelle est la solution à ce mystère, et après avoir débattu dessus, la solution est donnée. Donc après, c'est plus ou moins théâtral selon les meneurs et les moyens. Et forcément, ça se collerait bien avec le jeu de rôle. Alors pour ce faire, j'aurais choisi un thème forcément début 1900, dans le thème un peu de Mysterium, où là, dans un manoir, des voyants et autres médiums sont invités pour calmer les fantômes qui y règnent. Forcément, un thème qui colle bien avec l'appel de Cthulhu, histoire de rendre ça un peu plus piquant. Et l'idée, ce serait que, comme dans une murder, on loue un chalet quelque part, un bon grand chalet, avec un beau petit cadre, un endroit calme où on peut mettre l'ambiance désirée. Chaque joueur aurait sa fiche de personnage avec ses raisons d'être là, un membre de la famille, un employé, un enquêteur, un médium, un spirituel, un sorcier masqué. Toutes ces petites choses, ils auraient chacun leur petit bout d'histoire avec eux, et des zones aux ombres, bien sûr. Et on lirait ça avec le jeu de rôle. Bien sûr, tout le monde serait invité à venir habillé en époque, avoir son petit matériel qui peut permettre à tout le monde de se plonger dans l'ambiance. Et je pense que la semaine commencerait comme ceci, une première partie de jeu de rôle qui permettrait en fait de mettre en place l'arrivée des joueurs. Le reste de la journée serait réservé à des discussions entre eux. Ils pourraient se rencontrer au niveau de leur personnage, échanger des informations ou non, du pourquoi ou pas, de leur raison ici. Ils pourraient commencer à avoir des petites histoires de couloirs, de boudoirs qui se mettraient en place. Et le soir, alors lors de la première soirée, je pense que je ferai une partie unique d'une heure avec chacun. Une heure à 2 heures, une heure et demie, on va dire. Avec chacun pour jouer les premières rencontres mystiques qu'il peut avoir dans le manoir. Ça, ce serait la mise en place. Et après, à chaque fin de partie, des bouts d'indices leur seraient laissés dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle permettant dépasser les limites matérielles en fait ou pécuniaires qu'on pourrait avoir. On joue d'action, donc ça sans limite. Et lors de cette partie, quelques bribes d'informations, quelques indices seraient donnés, qui pourraient permettre aux joueurs de trouver des indices matériels dans le chalet ou aux alentours qui seraient cachés. Peut-être avoir vu le majordome traîner niveau d'un arbre à l'extérieur, ou dans le grenier dans une malle, et donner l'idée d'aller y fouiller, trouver une information. Et bien sûr, tout le long de la semaine, le soir, on ferait une partie de jeu de rôle qui permettrait d'avancer dans cette histoire mystique, d'amener peut-être lors d'une séance mystique dans les contrées du rêve. Voilà. Où là les joueurs entreraient dans le vif du sujet, dans l'histoire. Et tout ça pour terminer en fin de semaine sur l'apothéose, peut-être dans un cercle magique ou dans la cave où se cacherait une salle de torture, je ne que sais-je, pour un final avec l'apothéose. Toujours
en partie de jeu de rôle, bien sûr. Donc ça, l'idée, ce serait ça. C'est faire des parties de jeu de rôle, donc là, pour qu'on n'ait pas de limite matérielle, que de l'imaginaire, où les joueurs pourraient avoir des indices, voyager dans les contrées du rêve ou ailleurs. Là, pour que ce soit grand ouvert. Et en fait, moi, maître de jeu, de leur donner quelques indices, quelques éléments lors de ces parties, pour que, lors de la journée suivante, ils aient le temps d'en discuter entre eux, d'éluder des mystères, des énigmes, et peut-être trouver des indices matériels, des vrais indices qui seraient déposés dans la maison ou aux alentours. Ça, ce serait super. Du murder avec des jeux de rôle. Bon, après, le concept existe peut-être déjà. Je sais que la société Mysterium, Libellule, a sur leur site une soirée enquête, une murder Mysterium de disponible. Mais je n'ai pas encore entendu parler de murder avec des parties de jeux de rôle. Forcément, il faut du temps. Et là, une semaine, ce serait l'idéal. Et je pense, laisserait un souvenir inoubliable à tous les participants. Voilà. Voilà ma réponse. C'est original, un peu fou, réalisable, je ne sais pas. Mais moi, ça me donne envie. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous dis à très bientôt. Salut !